Salut à tous et à tous, c'est Tony Basket et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va découvrir la vague 4 du Booster Pass de Mario Kart 8. Et on commence avec la coupe. Oui! On commence avec la virée Amsterdam de Mario Kart Tour que je ne connais pas. Et on est avec le tout nouveau personnage Birdo, et oui, je le dis aux couleurs noires. Hop là. Donc je connais pas ce circuit, hein. J'ai pas joué à Mario Kart Tour, donc c'est une totale découverte. Et c'est plutôt une bonne chose, comme ça, ça me fait plusieurs circuits inédits pour moi, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Là. Ça commence très mal. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart. J'ai mal lancé, j'ai mal choisi. Ça s'est lancé. Oula, on va dans l'eau. Ok. Ah, je vais dans la barrière. C'est pas bon ça. Voilà, je connais pas le premier tour, hein, logique. Après, ce qui est bien dans les circuits Mario Kart Tour, c'est que ça change chaque tour. Presque. Ah là là, je fais n'importe quoi, j'arrive pas à jouer. Genre. C'est déjà le dernier tour? Oh là là. C'est très très court. Et je suis cinquième, donc c'est pas très bon là, c'est pas très bon. C'est ce qui est en train de se passer. Alors on va essayer de remonter des places. Oh stylé! Cool. Hop là, on repasse premier, c'est bon ça. Ah, je me suis fait niquer jusqu'à la fin. Ah, dommage. Mais en tout cas, c'était un circuit plutôt cool, plutôt court, mais j'ai bien aimé. Et on est sur Riverside Park, un circuit Game Boy Advance que je ne connais pas et qui a l'air plutôt sympa. J'aime bien l'ambiance, en tout cas. Allez. On a été deuxième, maintenant... Oh là 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 là. Ça c'est niveau amateur. Hein. Allez. Souvent les circuits. Ah non. Souvent les circuits Game Boy, ils sont très courts, on peut le voir. Waouh, très classe un circuit pour le moment, j'aime bien pour le moment. Pour un circuit Game Boy, alors les circuits Game Boy, ils aiment bien les... Je trouve qu'ils les remake bien. Bien sûr. Bon. Allez, on est premier, il faut qu'on garde ça sur tout le tour. Ah. Pas le meilleur des joueurs à Mario Kart, hein. Je suis pas le meilleur, mais j'apprécie quand même beaucoup ce jeu, comme la plupart des gens, hein. Mario Kart c'est un classique. Je joue pas en ligne, ou très rarement finalement, mais j'aime bien de temps en temps de faire des petites courses. Et là c'était la bonne occasion, des nouveaux circuits. Pour relancer. Ah. En plus c'est bien parce que les premières vagues il n'y avait pas de nouveaux personnages, mais là ils ont ajouté Birdo, donc ça me fait plutôt plaisir. Ah Yoshi, oh le salaud. Aïe aïe aïe, c'est pas bon là, faut que je reprenne de la vitesse là. Allez, on se lance, faut qu'on se lance. Ah deuxième encore une fois, c'est pas bon ça.
Le pic Donkey Kong sur la Wii, et ça je connais. Allez. C'est parti. Un circuit que j'adore. Donc je suis très content de voir dans ce pass. Oh, je l'ai mis dans la gueule. Bon, waouh. Premier tour, parfait. Ouh, j'ai évité la carapace rouge. Wahouh ! La petite pièce qui fait plaisir. Voilà ! Après, il y a que c'est Yoshi encore. C'est encore Yoshi. Merde, je voulais pas la lancer, non! Bon, par contre, c'est un peu bizarre là, j'ai pu presque sortir de la map là. Merde, je voulais pas lancer la pierre. Ah, je fais n'importe quoi! On dirait que je débute sur ma carte, c'est pas possible. Oh là là. Ouf, c'est limite là. Ouh. Mais non! Je peux pas gagner une course! C'est pas possible! Et on y est! Circuit totalement inédit, île de Yoshi! Donc Yoshi Island. On va voir ce que ça vaut. C'est toujours cool qu'ils aient des. Tout nouveau circuit. Bon, on va essayer de gagner, on n'a pas gagné aucune course. Fait que de perdre depuis avant. Oh mais. Ça commence très mal. Ah, c'est du 150, moi je suis pas un expert de Mario Kart donc c'est déjà pas limite, mais il faudrait que je rejoue fortement pour récupérer un peu les réflexes quoi. Ouhou ! Voilà putain. Merci. Les dérapages, je vais mettre plus dans l'embarras que dans de bonnes conditions. Il faut que je gagne de la vitesse. Mais les autres, comment ils font pour être aussi rapides? J'en étais sûr. Est-ce que le 150 c'est trop fort pour moi ou quoi? What? Qu'est-ce qui se passe? Stylé, ce qui vient de se passer. Mais. En fait, le dérapage il me ralentit plus qu'autre chose, hein. C'est moi qui sais pas faire un dérapage, mais je vais pas gagner là. Troisième là, ça va pas le faire.
Sérieusement? C'est pas possible, mais j'ai vraiment pas de chance sur cette course. Bon bah voilà, hein. J'ai perdu le championnat. Ah, une carapace bleue, quoi. Et ben voilà. C'était la découverte de la nouvelle coupe fruit de Mario Kart 8. Bon, j'ai pas gagné malheureusement, mais bon, le but était de découvrir les circuits. La plupart, je connaissais pas, et en plus, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à Mario Kart, donc voilà. Voilà, j'ai gagné aucune course. Mais bon, allez, c'était Tony Basket, on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao !